Alors le septième séminaire du gouvernement revêtait une importance fondamentale puisque euh, nous pensons qu'il qu s'agit là d'une des dernières lignes droites euh, avant euh, le terme du quinquennat du président de la République. Donc il était important qu'on fasse le point. Il était surtout important qu'on trace les perspectives euh, du travail de l'année 2024 et euh, des années qui viennent. Euh, comme vous le savez, le président de la République a inscrit pour l'année 2024 en fil conducteur l'année de la jeunesse et dans ce cadre-là tous les thèmes abordés avaient pour fil conducteur l'année de la jeunesse et au terme donc de notre travail il a été mis en place cinq groupes de travail le premier concerne euh, les dossiers pro jeunes l'employabilité la formation et ce groupe de travail va présenter un certain nombre de projets euh, qui doivent être rendus opérationnels ils vont être soumis pour, disons, consultation au Conseil consultatif de la jeunesse, qui a été d'ailleurs convoqué pour les prochains jours par le président de la République, je crois le 28 février. Et, et ensuite, il sera, ce dossier pro-jeune, transmis pour décision au Conseil des ministres. Il y a donc quatre autres axes qui ont été élaborés et abordés, qui font l'objet de quatre autres groupes de travail. Deuxième groupe de travail, c'est donc euh, l'assainissement, toutes les questions d'urbanisme. Troisième groupe de travail, c'est l'accélération euh, de la mise en œuvre euh, des projets d'investissement public, c'est-à-dire l'accélération finalement du plan national de développement. Le cinquième groupe de travail euh, concerne euh, la recherche des ressources et des financements, parce qu'on ne peut pas mettre en place une politique pro-jeune euh, qui mobilisera nécessairement beaucoup de ressources sans disposer euh, des ressources nécessaires. Il y a donc un fort volet euh, pour ce qui concerne notre travail en séminaire et les suites de celui-ci euh, qui consiste à trouver les ressources, que ce soit des ressources internes ou que ce soit des ressources externes, pour financer l'ensemble de ces projets. Euh, voilà donc l'essentiel des thèmes abordés euh, lors de ce septième séminaire, au cours duquel d'ailleurs... Comme vous l'avez constaté, les membres du gouvernement ont adressé une motion de remerciement au président de la République parce que le président de la République nous a donné un cadre de travail qui devrait nous occuper grandement et avec, je le dis, ce grand œuvre qui s'appelle l'année de la jeunesse.